Je vous la compte, je vous la compte. Vous êtes là? J'espère que vous allez bien. Akin Mathilam, Akin Mathilam. Ça a été un bon moment. Oh là, je vous la compte. Partagez cette semaine au maximum pour sauver les pages gays. La gays sert comme. Arme de défense. Voilà. Assagin, bon, j'attends mon ami, Maître Berken. Seremar. Assagin, Maître Berken. Eh ben, bienvenue. Azul Dina. Je connais. Regarde le volume qui est sur. Ça va. Très bien. Ça va stylé là. Alhamdulillah. Andes Walid. Rari de l'Hagwak. Azanet Hamed Zagi. El Hakadouet Hamed. Azanet Hamed Zagi. 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 Azanet ها 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 وين نوالد واقيلا هاي ها 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 متر بركان ها 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 الكانون Quand il s'agit de mettre Berkan, je demande pas l'autorisation. Bravo, voilà. Tu as toujours des bonnes réponses. Alors, c'est un live un petit peu exceptionnel. Bon, on parle toujours, notre sujet event, c'est la pétition, l'initiative citoyenne. Mais Sagui, nous avons encore de vous, nous avons l'épreuve de Mkoranine. Adrini Wath Mathenar, on est sur la bonne voie. Faites attention à vous, à Saguin. Le sujet, c'est le Mali, Hicham Aboud et... Akwir Bref Nagik Banaz Al-Sigrar Bentamouz. On a regardé quelques vidéos, c'est un petit peu. Et voilà, c'est maintenant. Et voilà, c'est un petit peu. 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 C'est attention. Il y a 5 pays voisins maintenant qui sont vraiment... mais d'accord, contre vous, contre notre Algérie en général. Alors c'est à vous de prendre cette responsabilité. Et là nous regardons, nous avons fait ce que nous avons fait, nous avons fait ce que nous avons fait, nous avons fait mon état de siège à la Kabylie. Ah, il y a une affaire à tous. أو طب لا نكون إيش تحنا كندي الموثيش شاف عدي الموثن ولا شاوني لا أكيد نكون هنا en train de vous dénoncer tout ce qui est vraiment dangereux pour vous ترى ثان تفضح ترى عينان مسا سروال وقيلا غادي يروح إلى invité par le colonel le porte-parole du gouvernement malien alors c'est une bonne nouvelle non c'est une bonne nouvelle pour un massacre. Alors, il y a une vidéo, toute une propagande avec Hicham Aboud.
يتدي خدمان هناك مهنا جبار يبا ديبوزي لي زارم اون كابيلي بور اكوزي الماك يسكش مدر السلاح سي المالي تورا ذا اشتاقي ذاين يبغى ناخذ من مي كوم ايزون لابيتود دو فير سا اي نروح ناخذ من تصفضني البوفوار اي نخدم كان تصفضني البوفوار جو ديفون با البوفوار جو سو كوتي دو بوبل باش كني pour détourner complètement la pensée du peuple mehna jbar mehna jbar kif et tout ah un kabyle qui s'attaque à ses frères qui veut vraiment éliminer la kabylie c'est dur à accepter hein ثاني مرة وين أول غرفة متر بركان غادي نسيري لا فيديو يوصل المدن ومن بعد نهضر ثاني مرة يا تسنى الغروان واقي هذا سي عبد الحفيظ كان كي رابيد مهم علاش يسونكسيوني تيك توك ترجمو هنا بارلو دروا دو مونتري كي يجي لي فوتو واقيلا نعلي فيديو ماد سلم واقي سي لو ريسبونسابل عندي فيسبوك سي دوالي ميركول واقي سي لو كولونيل دو غوفرنمون ماليان فوالا ها تاني هي ورا ونتفاز Représentant du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Dans un communiqué, il devrait accueillir au plus haut sommet de l'État les représentants du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Dans un communiqué publié par le ministre malien d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, hier 25 janvier 2024, tout en mettant un terme à l'accord de paix signé à Alger en 2015, il n'a pas hésité à brandir la menace d'inviter au plus haut sommet de l'État malien les représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, en réponse à l'Algérie, tout en accusant la main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, sans le consentement des autorités maliennes. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État les représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Dans un communiqué publié par le ministre malien d'État. Voilà, je laisse dans deux fois presque. Soit l'homme sera un mec, soit l'homme sera un mec, soit l'homme sera un mec. Qu'arrah d'idé. Au taquille, le 25 janvier, adjoukan, tu as... سمحتي لي توري لقد دفع لا فيديو هشام عبود دي ظلي امك بغان اذ لافن شي قراي القبايل اه ابريس نفكا ولي متر بركاني سنيت مليح لي سن كوني 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 تري بيان لانيمال Te rouge, une faction des services algériens prépare un complot contre Tebboune, la Kabylie et le Mali. Selon les graves révélations faites par l'un des plus sérieux et des plus crédibles journalistes algériens, Hichem Aboud, les services algériens auraient procédé il y a 3 mois à la cache de quelques armes et munitions en Kabylie et aux frontières algéro-maliennes. La manœuvre consisterait pour cette faction militaire à annoncer, selon leur agenda putschiste, la découverte de ces armes qu'elle va attribuer au MAC pour accuser celui-ci de les avoir obtenues des autorités maliennes. Cela créerait des troubles en Kabylie où une nouvelle répression plus féroce que les précédentes sera déclenchée. S'ensuivraient de graves troubles qui seraient une opportunité en or pour faire un coup d'État à Tebboune sur la base de son incapacité à faire face à la situation. Devant la gravité de ces diaboliques menaces, le MAC déclare 1. Notre organisation n'a aucun rapport avec un quelconque armement ou une quelconque... Notre organisation... Al-Siya kuna mena, ouais. Marde al-Siya. Et la gougenra al-Siya kuna mena, al-Siya. Ouais. ...pour la violence physique. 2. Les putschistes derrière ce plan criminel n'ont pas besoin d'ensanglanter de nouveau la Kabylie pour destituer Tebboune sur la base de son incompétence. Celle-ci s'étale chaque jour dans tous ses clownesques discours. 3.
Ces factieux services seraient mieux inspirés d'accepter l'offre de bon voisinage des autorités maliennes que de les accuser arbitrairement de fourniture d'armes aux Kabyles. Le MAC? Pas aux Kabyles, les Kabyles, rêve, vous allez déposer les armes dans la rue et personne qui va les prendre. Le problème, c'est vrai, c'est pas fait. Monsieur Serouel, il est avec le Maroc, le Mali, l'Israël, les ennemis de la nation, et les Kabyles, ils sont avec l'Algérie. Alors, c'est vrai, c'est vrai. ترى ما يرفض السلاح حتى يرفض كان واحد اش نسوي ربعه يمشيش لي ساكن اول ورك متر بركان ترى الله الجروه تاع كين هجم عبود ترى الله نتاع عندنا الو ازول ازول لك شكا فاض نحكوا شي شط واحد نحكوا شط في عيش ما نحكوا فاش صغير نو ديجا فلاس ذا شوس تاع نحكي تي دين فوا صافي لونطون الى قصدنا و ذا ساكي او ميم طون انوالي لا استراتيجيه كين سني بغانا كي قادرنا هذا رنون بلاس بور ميتر انكور لا كابيلي دون لو كاو سنت تشيارا ديبي 2021 راه عندنا اون اوتر فيتاس سوبيريور وي سي تو افي نورمال و لا لي زانسوندي ils n'ont rien donné donc ils doivent passer à autre chose parce que maintenant toujours c'est les incendies فقط فقط ah oui c'est compris. Donc, du coup, Thura, il doit passer à une autre stratégie d'essayer de créer, j'allais dire, l'amalgame, d'essayer de déstabiliser la population, la sérénité de la population locale en semant l'intox. Simhi, ouais, comme la Wali. Ça, quel vol? Ça fait partie du terrorisme selon la loi européenne aussi. Hein. D'accord. Voilà. La loi européenne, c'est ça, ça fait partie du terrorisme. Bonjour, Kine, Wallah, tu sais, on va faire d'adra, c'est la vérité. Hein. Mais je ferai un effort, ne serait-ce que vous merci. C'est un autre devoir pour transmettre le message à nos frères et sœurs Belling. On n'est pas en train de se battre pour rien du tout, parce qu'on connaît, les ficelles, on sait. Je vois c'est 2020, Zaran, Dath al-Houdhida. Alors, où est-ce que vous êtes? Oui, effectivement, effectivement. Effectivement, mais je vois qu'il y a, tu veux que je parle de la déclaration du colonel Agui? Non, parlons déjà de Hicham Aboud Siki. Il a qu'il y a une chose. À quel clan qu'il appartient, voilà, la chose exactement. Comme on l'a dit déjà la dernière fois, reste d'un aoud malish parce que ça remonte un moment. Nous aimerions donner la chose au Médanègue. ليش سي باز ان بروبليم عندنا حكوا اللي قلنا في هشام عبود باسكو بيتيت سي فري كيدن لي يا بوكو دو بيرسون وفي سينيرا سي تان تريتر تريتر على ناسيون تريتر على الجيري الى تراي لا ان بي الى ترافاي بور دي اوفيسين اترونجير هشام عبود سي تان سامبل كابيتان في لا اس ام جو بار با دو دي ار اس دي لا اس ام على ليبوك دو لا اس ام C'est l'ASM, c'est la sécurité militaire. Il a été recruté quand il était déjà à l'université. Il a été recruté. En même temps, lui, il a recruté Farhat Mahani. D'accord? Ils ont fait la même université. Il a fait Sciences Po. Hicham Aboud, il a fait Sciences d'information de la communication. Donc, c'est Hicham Aboud qui a recruté Farhat Mahani, qui est devenu l'indicateur numéro 1 au sein des services pour la Kabylie. L'ancien régime. C'est l'ancien régime. Ah, on précise bien. Mathuré n'a pas sa place, Dina. Ils n'ont pas leur place libre, Zoura. Ah oui. Mais l'ancien régime, il était toujours gros à la colère. Ça n'a pas celui de régime. Bon, Malinej. Nakid, il a été recruté. Bon, je crois que l'affaire de Farhas, quand il a été récupéré par l'ASM, son travail, c'était d'infiltrer les organisations dites d'opposition. Et de les phagocyter de l'intérieur et de créer des problèmes à l'intérieur pour avoir un star qui crée un frère FF, qui crée un frère CT, qui crée un frère MCB. Nous connaissons le Medden. Même au sein du PACS aussi, nous connaissons le Medden.
le passage de Farhat dans ces organisations, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des turbulences, c'était des dissensions internes. Son travail, c'était de créer des dissensions. C'est la réalité du terrain. Al-Muqnad Walid. Hinin, il a été arrêté 11 fois. Medina, il a été arrêté 11 fois, 12 fois, alors qu'il n'a pas même pas passé 2 ans de prison. Ça, c'est une équation mathématique difficile à résoudre. Le monde des choses, quelqu'un qui a été arrêté 11 fois, c'est un opposant. Il y a 30, 35 ans, 40, 2 ans, et qu'il y a des choses qui ne s'est permis qu'il y ait 2 ans de prison là, des choses. Ça c'est autre chose. Non, mais si les 11, les arrestations, c'est pour lui, c'est-à-dire, un costume d'opposition, c'est pour lui donner l'aspect d'un opposant, tout simplement. J'ai compris, c'est un habillage pour faire croire à la population qui était naïve, c'est un attaque qu'on croit que c'est un opposant. Alors que les vrais opposants Zig, l'ASM, ou Tsaïchinera, on les a battus. Exactement. D'accord. Win Yerwil Yerwil, Win Trent El Hebz, ou 3 ans, 4 ans, mais oui, il y a un Vilkharj, c'est je reviens toujours, bon, c'est pas le sujet de discussion, on revient sur Hicham Aboud pour laisser la parole à nos amis aussi de discuter, mais c'est que je ne vais pas faire d'analyse, c'est que en tant que citoyen qui est un acteur, qui est un témoin de l'histoire aussi. Je connais bien ce personnage, parce que j'ai eu déjà affaire à des clients qui étaient victime de ces agissements, dont je connais très très bien son dossier. D'ailleurs, s'il y a quelques de ces chiens qui sont en train de suivre Segui, le live à Guy, je les invite à lui passer ce message s'il veut qu'on fasse un live. Face à face, je suis disponible. Bravo. Est-ce la vérité? C'est les preuves. Et s'il veut, même, je me déplace en France pour lui faire un face-à-face, si je vais le diffamer, il n'a qu'à déposer plainte parce qu'il m'a défendu ça pour être jugé, s'il veut. D'accord. Nous n'avons des preuves, D'accord. Et je garde des choses, je ne vais pas les citer, je les garde pour moi-même, pour lui réserver la Smith. Des bonnes surprises. Voilà. Le coup fatal. Bon, quand il a été recruté, sa première mission, c'était de recenser tous les intellectuels du Constantinois qui ont été, soi-disant, derrière ou qui ont participé au soulèvement du Constantinois de 86. Il a mis des personnes qui n'ont rien à voir, il a inscrit des personnes qui n'ont rien à voir avec la manifestation ni juste pour les arrêter. C'est un règlement de compte. C'était quand 88, non 86. Ah, d'accord. Quel est le 88, c'est vrai. Non, 86, Constantinois. Je parle de Constantinois. Oui, l'affaire de 86, oui, je me rappelle, oui, exactement. Ça m'a échappé. Il a été comme il était un arabophone. Mais j'étais le plus jeune rédacteur en chef de la revue militaire le Jaysh. Je suis vraiment désolé, je respecte la corporation des journalistes, je respecte tous les médias, mais la revue Jaysh restera toujours la revue Jaysh. C'est un organe d'information, c'est pas un organe de communication. C'est pas un journal d'opinion. Donc, tu obéis aux instructions, point barre. Tu servais de petit secrétaire. Je resterai. Deuxième des choses, non, monsieur, tu étais l'un des secrétaires du chef de cabinet de Bechin. Tu étais qu'un petit sous-fifre. Le chef de cabinet de Bechin à l'époque, c'était le colonel Alili, c'est un bonhomme de Tixirt. Beaucoup d'informations. C'est un colonel de Tixirt, c'est un intellectuel, c'est un brave homme. C'est quelqu'un qui sait travailler son cerveau.
C'est des analyses qui. Il était chargé de faire des analyses. Bon, mix, parce que mix, Chattarafs, Hicham Aboud, le colonel Alili, il le chargeait de quelques petites missions pour, au sujet du dossier palestinien. D'accord? D'accord. Donc, comme il parlait l'arabe, Alili, c'était un très très bon francophone, l'arabe chouetzken, donc il préférait avoir quelqu'un qui maîtrise très très bien l'arabe. Donc, Chiaïd, qu'est-ce qu'il a fait, Hicham Aboud? Il a profité pour lier des relations avec les responsables de l'OALP, mais pas pour le compte de l'ASM. Tu as compris? Oui. Il faisait ses petites affaires sur le dos de l'institution militaire. Une information, moi je l'assume. D'ailleurs, pourquoi moi je l'assume? Moi je vis en Algérie. Si je défends quelqu'un, je suis en Algérie. Si je dis une chose, un secret d'État, je suis en Algérie et j'assume. J'ai toujours assumé mes positions. Dès les années 80, il y avait deux responsables de l'OLP hébergés les clubs des pins. Ils ont été assassinés les clubs des pins. D'accord? Ouais. C'était trois éléments du Mossad et du Chemin par la frontière algéro-tunisienne, Chemin et Nahan. Les deux responsables palestiniens sur le sol algérien, les clubs des pins. D'accord? Ça, c'était vraiment. Ça a ébranlé les services. Comment se fait-il deux responsables OLP, c'était le Mossad et Dikshmer. Comment se fait-il le Mossad, il a pu infiltrer l'Algérie. Mais Alinage, pour l'information, je vais être fâché du sujet, pour l'information, les trois agents du Mossad qui ont tué les deux responsables de l'OLP, ils ont été aussi liquidés de l'étranger. Les services de sécurité ont fait leur enquête. Il y avait beaucoup de soupçons qui pesaient sur Hicham Aboud. Mais il n'y avait pas la preuve. Zaran Blizzen, qui était en contact avec les deux éléments de l'OLP. Zaran, qu'il était en contact avec quelques membres du Tunis. Mais la preuve n'y était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? La moindre des choses, ils ont restructuré l'ASM. C'est la DGSPS, ils ont un petit peu nettoyé, restructuré le service pour renforcer le système de cloisonnement. Mais toujours, ils avaient le doute sur l'honnêteté de Hicham Aboud. Mais Alinej, il a été toujours chargé d'être en contact avec l'OLP. L'Oxenil Zahir, les membres de l'OLP voyageaient avec des passeports algériens. Avec des noms, les passeports portaient des noms algériens, ce n'est pas les noms des Palestiniens. Hicham Aboud, il a donné l'identité réelle des détenteurs de passeports palestiniens. Enfin, les passeports algériens détenus par les Palestiniens. Il les a donnés et l'information savante à le Mossad. Le Mossad a su que les passeports algériens portant une identité algérienne, en fin de compte, c'est des responsables de l'OALP. Et c'est comme ça qu'ils ont pu les abattre à l'étranger. D'accord. Vraiment. Pour te dire, c'est un traître. Mais l'Oxeni, tellement il faisait un travail sournois, personne n'a pu, comment dirais-je,
avoir la main sur lui. On va que c'est carrément le dossier l'OLP. Que c'est carrément, il y avait plus d'informations. Il y avait plus d'informations qui sortaient, il y avait plus de grabuge. Sven, il est 88, mais toujours est-il, il était protégé au sein du système. Il avait une protection. Tu as compris? Ouais, ouais. Mais c'est pas notre sujet. Je veux pas. D'accord. Je veux pas m'étaler sur ce sujet-là. Les événements de 88, il était où? Il était toujours dans l'institution militaire. Joaquina, non, là, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que ça concerne uniquement les services de sécurité. Donc, il y a des choses que, personnellement, je n'ai pas le droit de les dire, de l'obligation de réserve. Ok. Enfin, moi, parce que c'est des éléments à regarder les dossiers. Quand j'ai eu des clients qui avaient affaire à Hichem Aboud, bon, il y a des choses, donc je suis tenu par le secret de l'instruction. Voilà. En 88, il faisait les rapports sur ce qui s'est passé dans des centres où des manifestations, des émeutiers ont été arrêtés. Il participait à leur interrogatoire musclé. Je pèse bien mes mots. Il participait. Il n'était pas dit le bureau n'avait choisi de participer, dit le centre de Zeralda. Tu as compris? Il se défoulait sur des Algériens. Fais-moi. Il se défoulait sur des Algériens. Comment se fait-il? Esmidoussen, ça a été, j'allais dire, tout a été changé. Et la DGSPS, il fallait que l'Ayat. Il a restructuré une troisième fois, il a créé le DRS, Gossini, Hichem Aboud, Izrabli, l'enquête sur lui a été déclenchée, il a déserté les rangs, il n'a jamais démissionné. C'est le même scénario avec Zetout. Les ennemis vraiment de la nation. Claire, il n'a jamais démissionné. Ouais. Il a été pris en charge à l'étranger par un officier traitant du Mossad. D'accord. Qui avait comme identité, il avait soi-disant, il voyageait avec un passeport suisse, il s'appelait Claude Monstril. Ouais, Claude Monstril, c'est un officier du Mossad, c'était l'officier traitant Hichem Aboud. Il a refusé de s'attendre à ce qu'il ait. Non, c'est vrai. C'est lui, il a divulgué l'identité des Palestiniens. Moi, je divulgue l'identité exacte de son officier traitant, Claude Monstril. Comme le cas de Wali Kadawi, Raman Adouan, il y a beaucoup de mots qui suivent. Durant l'enquête qui a été déclenchée, quand il a déserté, les services ont trouvé une chose, c'est que Hichem Aboud, quand il était en contact avec les Palestiniens, avec d'autres autorités, il recevait des cadeaux. Alors, protocole militaire, protocole des services de sécurité, quand tu reçois un cadeau ou un présent, tu dois le notifier à ta hiérarchie. Il l'a qu'à sa hiérarchie, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Tu dois le remettre déjà au service technique. Elle doit aller des choses, le cadeau, des choses que ça.
mais c'est un appareil simple, même si quelque chose qui est piégé dans les choses, il y a des services techniques, on va t'exciter. Netza, il a reçu de l'argent, il a reçu des cadeaux, il ne les a jamais déclarés. Tu as compris? Mm-hmm. Voilà, grosso modo, les choses. En 2000, en les années 2000, comme c'était, comme il se vend au plus offrant, là, au moins offrant, il a été récupéré par le clan de Boutef, par le clan de Saïd, croyant faire des pressions sur le clan soldat, sur le clan des militaires, sur le clan de la mare et tout faire. Il voulait l'utiliser contre ce clan-là. C'est pour ça que je me cite. D'accord. Et c'est pour ça que Chimicide, il n'a pas été arrêté. Il ne pouvait pas arrêter parce qu'il était sous la protection de Saïd. Il voulait l'utiliser. Mmh. Tu as compris? C'est pour ça qu'il dit une chaîne de télévision Saïd Abou Haddad de France pour. La chaîne, c'est pas. Oui, c'est Haddad Style. Saïd Style dit. C'est Haddad qui l'a fait. C'est Haddad qui l'a financé. Il l'a financé, c'est pas parce que Haddad, il connaît Hicham Aboud, c'est son ami. Non, c'est Saïd qui a demandé à Smith. Haddad de le faire. Et Haddad de mettre de l'argent aussi à Smith pour le truc. Sinon, ça. Saïd, Sillal, ou Yahya, tout le clan. Voilà, il faut être juste. Non, parce qu'il faut être juste. Haddad, il n'a rien à voir avec Hicham Aboud. Il ne connaît même pas. Qu'est-ce que c'est sorti, ça s'arrête là. Ouais. Donc, si tu as remarqué, comment suit-il les deux premiers invités à sa chaîne, soi-disant il est opposant, il invite Sillal en tant que président, directeur de la campagne électorale du candidat Bouteflika, il invite Farhad. Exactement. Voilà. C'est un ripou, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui n'a pas de principe, enfin, tout comme tous les traîtres. Ah oui, bien sûr. Actuellement, il travaille aussi pour les services français qui l'ont éjecté parce qu'il a donné de fausses informations. Il a mis un rapport sur soi-disant, comment dirais-je, comme quoi il y avait une cellule d'espions dormants algériens à Paris, tu as compris? Une sous-listen, et puis sorti une source, en fin de compte, au fin de l'eau, il a proposé ses services à une magasin, tout simplement. Eh ben, on apprend des choses, hein. Moi je suis pas au courant de tout ça, je suis au courant de quelque chose, mais pas à ce point. Ah oui. Mais là, il y a des choses que je peux pas dire. Ah, je comprends, c'est normal. Mais il y a des choses que je peux pas dire parce que je suis tenu par le secret de l'instruction, comme vous voulez. Il y a des dossiers. Ça, j'ai accès à quelques dossiers, mais je peux pas le. Non. Ah oui. Théora, en ce moment, j'aimerais juste te poser une question. Pourquoi la cible de Hicham Aboud, de Messa Serouel, leur cible, c'est que c'est Mehna Djebbar? Pour quelle raison? Il y a que Mehna Djebbar qui est visé. Là, on s'adresse à Mehna Djebbar en titre personnel. Hein? Je vais te répondre. Soit un tel aïeul, soit il hésite, oui, c'est Ismaïl Hassan de l'aïeul. Parce que maintenant, il s'occupe de l'extérieur. Il n'a aucun lien avec ce qui se passe en sécurité intérieure. Ça, il l'a dit dans sa vidéo. Normalement, il s'en occupe de l'extérieur, il n'a rien à voir à l'intérieur. Mais il est ici pour se protéger au cas où il y a une découverte d'armes. Il ne pourra jamais faire une action, entreprendre quoi que ce soit à l'intérieur du pays, ce n'est pas son domaine. Chacun son métier. Lui, c'est l'extérieur, ça reste l'extérieur. Tu ne peux pas toucher à l'intérieur. Comme l'intérieur ne peut pas toucher au domaine de l'extérieur.
Mec, اسمعي كان جو جوست بلاصي امون كاين سا ميتون لو سيلونس دو مهنا جبار مهنا جبار كو ميم اي بو تري بيان مونتي اون فرانس دي الي فوار لو بروكيور دو لا ريبوبليك دو بورتي بلانت اون تيتر بيرسونيل باسكو يا ترو داكوزاسيون سور لوي ادي سكشم السلاح الله كابيني ابراتي اس ديني دي الماك اثني سخنون الزاكا ما كنيتني سخنون سعيد سادي سعيد سادي و تي 35000 اورو داموند يا ميم با دو موا دو سا Alors je pense que maintenant, bon, quand même, c'est une grande personnalité qui doit faire vraiment son... Je vais te répondre, observe, non, je vais te répondre. Première des choses, pourquoi on cite Mehnad Jbar? Tout simplement parce que Zalem Ben Mehnad Jbar, c'est une pointure qui ne... J'allais dire, non seulement qui dérange, que tu ne peux jamais avoir à tes côtés. Mehnad Jbar, il s'est sacrifié pour l'Algérie. Il se sacrifiera toujours pour l'Algérie. Donc nous ne savons déjà Mehnad Jbar, quand il est sur l'extérieur, il a des dossiers. Mehnad Jbar n'oublie pas une chose. Il a beaucoup de dossiers parce qu'il a, il a travaillé durant les temps terroristes. Tu as compris? Ah oui, ah oui. Il connaît les moindres détails des personnes. Exactement. Et pour le Mahzen, la présence de Jbar, la présence de Toubir, la présence de Boulahia, la présence de Nasser Djinn, c'est une menace pour eux. L'équipe de 90, ceux qui ont sauvé l'Algérie quand même. C'est toute une équipe. Arnoud Ken Hassan a Rorson d'Adaïn. Il fait le Tchksouz. Voilà. Oui, Guy Zarin, tant qu'ils sont debout, tant qu'ils sont en activité, personne n'osera. Personne ne pourra toucher quoi que ce soit de l'Algérie. Asni Sosfar, Béjé Lamar, Douégué de l'Épilier. Ils ont essayé, le clan de Saïd, ils ont essayé de déstructurer le DRS de 94 et on a failli partir. Akmenla, le Gouchourouf, ils ont failli. Tu as compris? Ouais. Parce qu'ils ont déstructuré le DRS, c'est pour affaiblir l'État algérien. Mais quand les anciens Guillaume, les gens, les ennemis de l'Algérie, le Marxen, le Mossad, même c'est Moussa Gendel, Chimisoura, c'est ils voient que c'est un danger. Tant qu'ils sont là, ils ne peuvent rien entreprendre comme campagne de déstabilisation au sein de la population de l'Algérie. Je reviens à Midnet, pourquoi Jbar ne va pas déposer plainte? Mais c'est ce qu'il cherche de faire, Wagi, il cherche de faire le buzz. Comme quoi Jbar, le général Jbar, il a déposé plainte et Shara'a. Tu as compris? Jbar, il envoie balader tout le monde. Qui Jbar aime les autres? Mader Gazharif, Kensito. Oui, je sais, j'ai compris ça. Mais qu'il y a vraiment une schnouz des tribunaux ici, une matrice de Yahoui d'Ilhous. Sur le sol français, tu as dit que 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 tu as à payer très cher pour que Jbar dépose plainte. Et qui n'est-ce que les civils, j'ai été attaqué par le général-major de la sécurité extérieure, c'est tout un film, il vit de ça. Mais les officiers algériens, même de l'étranger, ils n'accordent jamais d'importance. Aïe, dernièrement, de YouTube, il bout 35000 watts, là, pas 30000. Non, là, Arnaud. Je suis plus connu, j'aurai de la visibilité, donc non.
On ne donne pas d'importance à... On ne donne pas d'importance à un aiguille, même pareil. Intérêt, c'est un traître. Tu ne peux pas rester en justice un traître. Ça se fait pas. C'est déontologiquement parlant, ça se fait pas. Un traître, c'est mon jour. D'ailleurs, pour ton information, il n'y a même pas eu 4 mois de cela, la justice française lui a saisi tous les biens immobiliers de Khamis. Je me rends à Khamis avec 8 sites de justice, Bounes, même il faut tenir des guitres, mais Bounes. Il y aurait une bonne idée, là,